Après une édition 2020 annulée en raison de la situation sanitaire, le Festival de la fiction francophone est de retour du 14 au 19 septembre à La Rochelle. Au programme, avant-première, séance de dédicaces et rencontres interprofessionnelles. Reprenant ses quartiers à La Rochelle après une année 2020 perturbée par le Covid, le Festival de la fiction télévision est de retour en Charente-Maritime pour une nouvelle édition qui mettra à l'honneur le meilleur de la fiction française et francophone de cette rentrée. Présidé cette année par Guillaume de Tonquédec, le jury du festival devra se pencher cette année sur une sélection de 25 programmes inédits en compétition officielle, 10 unitaires, 6 séries de 52 minutes, 4 séries de 26 minutes et 5 séries en format court, qui seront projetées lors de séances accessibles au public sur réservation et présentation d'un pass sanitaire. Cette nouvelle édition sera inaugurée ce mardi 14 septembre lors d'une soirée d'ouverture animée par Mathieu Madénian, qui viendra également présenter la comédie TF1 Le Furet, à l'issue de laquelle sera projetée l'unitaire M6 J'irai au bout de mes rêves sur le thème du handicap, avec Camille Lou et Samuel Alain à Bitbol. Tout au long du festival, les spectateurs pourront découvrir de nombreuses fictions-événements, comme la mini-série TF1 Une affaire française tirée de l'affaire Grégory, le thriller social Boomerang, France 2, avec Corinne Massiero, la série dramatique Fugueuse, TF1, avec Michael Youn et Sylvie Testu, l'unitaire Doute, Arte, porté par Muriel Robin, également au casting de la série policière Mon Ange avec Marie-Lou Berry, le drame J'ai menti, France 2, dans lequel on retrouvera Camille Lou face à Thierry Neuvik, ou encore la saison 4 inédite de Balthazar, TF1, avec Thomas Sisley et Constance Labbé. Outre les fictions en compétition officielle, le programme grand public réserva également aux festivaliers des projections spéciales des séries qui ont marqué l'année 2020 en présence de leurs équipes, comme Mixte, Amazon Prime, Capitaine Marlowe, France 3, ou Mental, France TV / ainsi que des séances de dédicaces pour les fans avec les interprètes des séries quotidiennes Plus belle la vie, Demain nous appartient, ainsi Grand Soleil et Ici tout commence, dans le respect des consignes sanitaires. Le public pourra également découvrir 11 fictions en compétition européenne et 6 œuvres en compétition francophone étrangère, dont la saison 2 inédite de l'haletante série belge Beau Séjour, ou encore Mami Wata, le mystère d'Iveza, produite par Canal Plus Afrique et première série gabonaise à être présentée au festival. Enfin, le festival sera l'occasion de rassembler différents acteurs de la profession autour des défis de la création audiovisuelle de demain. Table ronde du CNC autour de la transition écologique, de la diversité dans les fictions françaises en collaboration avec le collectif 50-50e, débat sur la parité, séance de pitch des diplômés du Conservatoire Européen d'Écriture Audiovisuelle, SI, et de la SACD et bien d'autres seront autant de moments d'échange entre les différents représentants de la création francophone pour répondre aux enjeux du secteur. Le programme détaillé du Festival de la Fiction 2021. Love.